Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Hamzazi, a présidé à Tanger la cérémonie d'installation de Mohamed Avami, nouveau président de l'université Abdelmalek Essaadi. S'exprimant lors de cette cérémonie tenue à la faculté de médecine et de pharmacie, M. Hamzazi a mis en relief l'essor remarquable qu'a connu l'université Abdelmalek Essaadi, qui compte aujourd'hui 15 établissements répartis sur 5 villes de la région de Tanger, Tétouan El Husseima, et qui devrait s'étoffer avec le lancement prochain des travaux de construction de 4 nouveaux établissements. Remarquable, un rayonnement international, une université qui comprend 15 établissements, 4 projets d'établissements en vue dans les prochains jours, et donc un programme de recherche scientifique très édifiant, des formations très diversifiées, et ceci se traduit par le nombre d'étudiants, le nombre de lauréats chaque année, et donc lui rendre hommage devant ses enseignants pour ses 2 mandats à la tête de cette université. De son côté, M. Evami a souligné que l'université Abdelmalek Essaadi est ouverte sur son environnement régional qui se distingue par une infrastructure industrielle avancée et diversifiée et un potentiel agricole et touristique énorme, faisant de cet établissement universitaire un partenaire clé dans cette dynamique pour l'offre d'une formation de haute qualité permettant d'acquérir les compétences requises par le marché de l'emploi. Socio-économique. Donc tous les partenaires de l'université sur lesquels il faut avoir une très forte ouverture. Et j'étais donc honoré également par le fait que c'est M. le ministre qui a présidé, donc le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, qui a présidé donc cette cérémonie d'investiture. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Fars Anjra, du secrétaire général du département de l'enseignement supérieur, de la vice-présidente du conseil de la région et de plusieurs présidents d'universités du royaume, des dirigeants des établissements relevant de l'université Abdelmalek Essaadi, ainsi qu'un parterre de professeurs et d'étudiants.